Le prince Harry n'a pas parlé à son père, le roi Charles, pour lui souhaiter un joyeux 75e anniversaire hier, malgré le briefing du duc selon lequel il avait prévu de faire l'escale transatlantique. Le prince Harry avait peut-être l'intention de téléphoner au roi Charles pour lui souhaiter un joyeux 75e anniversaire, mais il semble qu'un agenda chargé, et un monarque nourrissant une rancune, l'ait gêné. Une source bien placée révèle que l'histoire selon laquelle Harry allait téléphoner au palais provenait à l'origine de personnes liées au camp des Sussex dans le but d'éponger les conséquences de ne pas avoir été invité aux célébrations du 75e anniversaire du roi. Mais des sources révèlent qu'aucun appel de ce type n'a eu lieu hier, car Harry a négligé d'organiser un moment qui correspondait à l'emploi du temps très chargé du roi, qui comprenait deux engagements royaux et une fête d'anniversaire privée. La nouvelle d'un appel téléphonique a été une surprise. Disons simplement cela, a déclaré la source. Il y aurait peut-être eu une volonté des Sussex d'appeler le roi le jour de son anniversaire, mais cela n'a certainement pas été communiqué à l'autre partie en temps opportun. Point des sources ont déclaré qu'il n'y avait aucun moment possible pour que l'appel présumé ait lieu. Le roi n'a certainement pas répondu à l'appel pendant la journée alors qu'il était occupé à travailler, a précisé la source. La soirée s'est déroulée avec sa famille et ses amis et il n'a pas eu de moment privé de toute la soirée. Point des sources distinctes sont allées plus loin et ont déclaré que le roi savait qu'Ari sonnait, mais il a refusé de décrocher le téléphone. Il n'y a eu aucun appel. Chaque fois qu'Ari appelle son père, Charles écarte le téléphone, ont-ils déclaré. Il ne veut pas avoir de nouvelles de lui jusqu'à ce qu'il s'excuse. Point. Le palais de Beu, qui ne a refusé de commenter. Le roi a passé son anniversaire à contribuer au lancement d'un projet visant à aider les gens à faire face à la pauvreté alimentaire, suivi d'une réception au palais de Buckingham pour les infirmières et les sages-femmes alors que le NHS fêtera ses 75 ans la même année.